Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Fleet avec Katox. Salut Katox. Salut. Et du coup on se retrouve pour la suite après une petite pause puisqu'on a eu des petits soucis entre la connexion et les examens. Donc maintenant c'est normalement terminé, on va pouvoir reprendre notre fin de campagne puisque je pense toujours que ça doit être la fin de la campagne probablement. Oui, je pense que Cadia c'est le final. À mon avis aussi, ouais. Donc on était en train d'invasionner, n'est-ce pas? Ouais. Mais les Nécrons, je crois. Ouais, on avait une bataille à faire avec les Nécrons. Après, il fallait qu'on retourne s'occuper de la mission spéciale histoire d'avancer un petit peu, qu'ils nous disent pas ah lol. En fait, il faut faire d'autres trucs. Et on va commencer du coup par une petite bataille contre les Nécrons pour s'échauffer. Échauffons-nous. Alors, l'ennemi essaie de bloquer nos forces. Prenez le contrôle de la zone derrière les lignes ennemies. Ça fait quoi? Plus 5 points d'action pour chaque flotte qui a pris part à la bataille. Ah, ça pourra nous permettre de retourner éventuellement sur... Enfin, quoi qu'on sera peut-être quand même à 0, ouais, non, c'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on engage? On engage 2 bouffeurs, des vaisseaux à tentacules et 2 cuirassés, ça me paraît pas mal. Ça semble bien. Allez, c'est parti. Merci à tous ceux qui ont suivi la série jusqu'ici, hein, parce que mine de rien elle est bien longue, mais il y a toujours des gens très intéressés, ça fait plaisir. Bah, on est à 40ème épisode, 50 et des, je crois. Celui-là, ça sera le 55, normalement. Ça nous fait quand même une moyenne de 1 tour par épisode. Ouais, puis il y en a quelques épisodes qui sont longs. 2 tours par épisode. En même temps, c'est en tout cas pour les tyrannides d'un jeu qui se joue au nombre de combats plutôt qu'au temps passé sur les sur la map et sur les tours quoi. Alors la fin d'Erico, il pour moi, lui pour moi, celui pour toi, celui pour toi. Et au niveau des cuirassés, qu'est-ce qu'on a? Boulette de démolition et rôdeur du vide ou champ de sport et cri psychique. Je vais te laisser la boulette de démolition, je pense. Ouais. Alors, et ce sont des Nécrons. Il y a pas mal de merde sur le champ de bataille. Hein. On serait bien au milieu des astéroïdes au centre, hein, mais je pense pas qu'on aura le temps d'y arriver malheureusement. Ouais, si on... Allez. Si on fait des poussées, il y a peut-être moyen. Alors du coup, juste attention parce qu'il y a une forteresse juste devant là. Où c'est? Une structure spatiale là, à 2 mètres devant ton cuirassé. Hop, ah bah c'est parti pour de la poussée. Pourquoi il s'est désélectionné? Ah bien. Change. Bon, ils sont mis en pack. Tu veux pas la petite sport? La petite sport, t'as raison. On va lancer. La petite sport qui va bien. En plus, ça va les faire se téléporter encore plus vite comme ça. C'est bien sûr que ça soit très utile, mais. On n'a pas d'événement spécial, on dirait, dans cette partie. Hein, non. Enfin, une petite partie simple. Moi, je prends celui-là hein, pour l'instant. Tiens, je vous ai pas donné de numéro, les gars. Toi, tu seras 1, 2 et 3. Alors même en rushant, on va pas plus vite que la spawn. Bah non, quand même, ce serait triste. Le truc qui est vraiment useless, c'est bon, je les ai détectés. Oui, bon, bah on les a déjà tués en fait. Hein. Donc bon. Ah, on en a vu un. Ah oui, il y en a un qui est très très en avance. Là. Ok, du coup, il s'est téléporté derrière. Ouais, il va pas vivre longtemps, je crois. Ouais, je pense aussi. Oh putain, il m'a fait un coup critique quand même, le fumier, à travers mes boucliers. Viens donc faire un petit tour dans les astéroïdes, toi. Ah, dommage, il est trop loin.
Ok, il se fait dépioter, l'autre qui est tout seul dans son astéroïde. Là. Barre-toi. Charge dessus le petit fumier. Celui qui est en train de crever, tant qu'à faire, on va l'envoyer capturer. Capturer le point. C'est un peu personne qui va l'emmerder ici. J'avais pas vu, il a des plans l'autre là, faut que je lui fasse un petit assaut sur sa tronche. Ah c'est vrai qu'ils font pas mal d'assauts aussi eux. Ouais les nécrons, ouais, mais par contre ils perdent tout leur intérêt vu que nous on a les poches de frais. Bah disons que leur l'intérêt principal c'est les... Comment ça s'appelle? La capture des plans là. Il est parti de mon plan du coup. Qui c'est qui a le plan? Attends, c'est l'autre là-bas qui a chopé le plan. Allez, des petits assauts là. On va faire un assaut avant de le buter. Merde, raté. Ah si, t'as réussi à le choper juste à temps, bien joué. Alors du coup il en reste un là-bas. Qui va se faire éclater. Je pense que c'est effectivement le mot. Hop, on voit ça là-dedans. J'ai fait de claquer les poches de frais sur le vaisseau. D'ailleurs, je t'ai oublié, toi, petite poche de frais. Comme ça, on sera tranquille pour le. Ah, il est un petit peu plus vite que ce que j'avais anticipé, dommage. Il ralentit quand il prend le réveil des guerriers, c'est ouf. Ah ouais, mais le réveil des guerriers c'est... Je t'ai demandé de tourner toi, tu fais quoi? Il bouge plus, il tire plus, voilà quoi, c'est vraiment... Et tout le monde a besoin de son poste et... Ouais. Eh, tu me fais le rater avec ton truc là. Mais non. Ah, il a pas réussi à te reprendre ton plan, c'est nickel. Ouais, il y en a encore un qui traîne. Ah non, c'est bon. Ah, non. C'est nettoyé. J'avais vu un point vert, j'étais à attendre, de où? Oui, pareil, je trouvais que ça mettait un peu de temps à se terminer. Mais... C'était bon en fait. Bon, c'est pas trop mal passé. On va pas être direct en état pour reprendre la mission spéciale, mais si on gagne le point de mouvement tout de suite, on devrait pouvoir y aller pour se réparer direct. Bon, la fin des haricots a un peu souffert, on récupère un plan de bataille, parfait. Et on a notre point de mouvement, ça c'est parfait. Alors par contre je vais dropper ce truc de merde ici et construire ça à la place. Et là on va pouvoir retourner ici pour se réparer. Et ici c'est à peu près central, on va faire un petit nuage de sport. Yep.
Et je crois que c'était tout. Je vérifie en speed quand même si on n'avait pas des invasions quelque part. Ici on a 0 invasion, 0 flotte. 2 invasions et une flotte ici. Donc dans 2 tours on attend celle-là. Et dans 5 tours l'autre. Ok. Ici on a une flotte. Ici on a 2 flottes, c'est normal. Ici il y a une invasion, mais on s'en fout. Je crois qu'on est pas mal. On peut y aller. Oh putain, 3000. Putain, les mecs. Ouch. Ça pique. Les relous. Ah voilà, on va perdre ça, puis claquer une faute Vanguard dessus direct. Ils l'auront pas volé. Passage de tours font long, hein. Ouais, ouais, ça commence à durer un peu, ouais. Qui c'est qui gagne? C'est le chaos qui gagne, bien joué. Ah, ici il a fait une forteresse, ça c'est casse-couille ça. Bon, normalement il y a que l'Imperium qui peut bouger sur. Sur Cadia. Bon alors du coup, eux ils vont arriver dans un tour, on va les gérer. Eux à 2000 ils font un peu chier honnêtement. Shinchari c'est quoi le bonus? Les invasions système ciblant et système dans le secteur sont retardés de 2 tours. On s'en fout un peu, on pourrait le perdre ce bonus, on s'en tamponne totalement. Ouais. Et Belial c'est quoi? Lors d'une victoire, notre réserve de ressources est restituée à hauteur de 10% de la valeur de vos vaisseaux détruits pendant la bataille. Ah ça c'est plus sympa déjà. Oh mais c'est de nos vaisseaux détruits. Oui, de nos vaisseaux détruits, ouais, si on perd des vaisseaux. Ouais. Oui donc tout, c'est pas non plus taré quoi. Là, une petite flotte Vanguard des familles. Bon, on verra si on décide de gérer ça pour l'instant. Agrippina, on n'a pas encore terminé notre flotte Vanguard là. Bientôt non? Ah non putain c'est pas du tout bientôt. Cadia. Ah bah on... pour attendre un tour et on pourra presque faire une bataille à Fremas en fonction de ce qui reste et puis directement choper Cadia. Bah là avec les flottes du haut j'ai bien envie de rusher sur Vorgatork pour terminer la flotte KO toute seule là. Et ensuite faire Fremas quand enfin, ce qui ouais, restera à Fremas quand l'assaut sera fait. Bah là on peut traverser hein, pour aller direct à Vorgatork. C'est ça qui est un peu abusé d'ailleurs dans le jeu. On n'est pas obligé de s'arrêter sur les systèmes ou des ennemis, on peut carrément traverser et aller sur un autre. Ouais, c'est vrai. Bah Cocker, on... bah, c'est vrai qu'on a les deux grosses flottes, etc. Là on a. On va pouvoir le faire en auto, en speed et puis. C'est quoi. Hop. Appel au combat. On pourrait réduire la bravoure du chaos, on s'en fout. Le combat auto, on me dit pas qu'il a perdu des vaisseaux ce con. Non, j'ai eu peur. Et en plus on a réussi à faire l'objectif secondaire. Bah écoute. J'aurais été surpris du contraire en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire de beau ici? Un petit bassin de valorisation. Voilà. Comme ça, au prochain tour, on attaque ce qui reste à Fremas et. Je pense qu'on aura même pas besoin de toutes les flottes, donc on pourra limite en envoyer une sur Cadia terminée. Mais d'abord, il faut qu'on se retente le... l'Exceltra Minor là. Puis cette fois en faisant pas n'importe quoi et en n'ayant pas de lag, si possible. On se tente ça. Allez. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, on engage nos deux cuirassés, est-ce qu'on peut engager un dévoreur de plus?
Tac, voilà. Puis ils vont arriver encore au compte-goutte les autres cons. On va espérer pas avoir besoin de trop de renforts. Bon, par contre, faut se souvenir, faut rusher la citadelle. Sinon, ça pop tant qu'on l'a pas buté. Ouais. Donc cette fois, on fait pas dans la dentelle, on charge. Ouais, on y va et on la défonce. En plus, ça va se sacrifier, tout ça, tout ça. C'est beau. D'ailleurs, tu me confirmes que t'as pas eu de lag dans la bataille d'avant. Hein. Non. Non, oh, donc c'était quand même vachement mieux. Ça bon, s'est stabilisé. On va espérer que ça venait bien de la connexion et c'est pas parce qu'il y a 2000 vaisseaux sur le champ de bataille. Parce que si c'est ça, on va le voir dans l'os. Alors, qu'est-ce qu'on a bah, on a les mêmes, hein. Champ de sport et tout, oui. Donc, du coup, je te file. Le grillon et je prends l'éventreur. Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer qu'on va foncer sur la citadelle. Ouais, claquer toutes les citadelles des escadrilles, etc. Claquer directement dessus. Comme ça, on peut déjà commencer à enlever des du personnel à la station. Ouais. Tu penses qu'on l'aura... Ouais. Ça c'est relou par contre. Moi je peux pas me déplacer quoi. Je suis obligé d'attendre la fin de la ciné. Allez go, c'est bon maintenant, vous avez fini de glander là, en avant. Allez, on envoie tout ce qu'on a sur sa tronche, les petites glandes surrénales. Il n'y aura pas de retraite. Alors, est-ce que, même s'il n'y a pas de retraite, je peux peut-être tenter de les ralentir un peu avec un petit champ de sport? Ouais, c'est de le claquer entre les deux structures. Ouais, c'est encadré par trois structures, là. Ouais, je l'ai claqué un tout petit peu derrière celle du loin, là. Ils vont vachement plus vite sur la droite, on dirait. Alors, à gauche, c'est des gros. Toi, tu seras notre première cible, toi, tu seras notre deuxième cible. Ah, les escadrilles, elles vont presque aussi vite que le champ de sport, quand même. Ouais. Par contre, je suis pas sûr que les escadrilles arriveront au contact, hein, mais bon, on verra. Je pense que si, parce que peut-être qu'il y en aura quelques-unes qui vont... Bon, la première vague s'est fait annihiler. Deuxième, à mon avis, va se faire défoncer aussi. Ah, celle du gros vaisseau, à mon avis. Attention, il y a une bombe qui arrive sur un vaisseau. Merde. Oh putain, t'es un peu trop tout seul devant toi. Comment ça se fait que t'as trashé autant? Stop. Retreat. Retreat. Faufile-toi par là. Voilà, c'est propre. Bon, ok, toi t'es mort déjà. Envoyer dans ce petit truc là si tu y arrives. Non, toi. Replie-toi. Oh,
Alors, la forteresse, il faut plus la forteresse. Merde. Notre vaisseau s'est fait défoncer le cul. On est pas mal à la dérive. Un max d'assaut déjà sur la forteresse, parce que c'est clair que vu les troupes qu'elle a par rapport à leur vie, faut se le faire à l'assaut. Ouais, clairement. C'est pas à chier. Ouais, c'est quoi le gros truc warp qui apparaît derrière là? Ok, toi, demi-tour. Prépare-toi à combattre. Toi, encore 8 secondes et tu vas pouvoir balancer un petit assaut supplémentaire. Assaut, c'est bon, je pense ça va aller. Ouais, il y a des petits vaisseaux qui apparaissent derrière qui me tirent dessus, ça devrait être gérable. Et alors, il y a toi là-bas qui est gros là, qui fout un peu la merde. Bon, on a perdu un vaisseau, mais on n'a pas de renfort qui arrive. Hein. Et ouais, ils sont dans les murs. Ok, là, et donc elle est détruite. Du coup, c'est cash. On va s'occuper de ceux qui traînent derrière. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que je peux balancer un petit champ de sport plein de vent là, histoire de... aussi leur envoyer des petits de troupes des familles pour détruire leur tourelle. Bon, c'est bon, tu les tiens, je vais me retourner pour affronter ce qui arrive. Ah putain, il y a une bombe. J'aime jeter un petit peu dans la bataille, mais on va les faire fuir. Voilà, ça c'est fait. Trois petites merdes en fuite. Alors, le sanctifié droit, cuirassé Apocalypse. Voilà, on va lui raser toutes les tourelles qu'il a. Ça lui fera les pieds déjà. Tes souhaits. C'est l'hiver. Ambiance hivernale. Ah mon dieu! Oh putain, il va mourir à cause de ça. Je crois que c'est pas vrai. T'es sérieux, mec? Oh, la sauvegarde! Ouh, y'a masse de missiles là, on va essayer de les éviter. Ouais, effectivement. Faire un petit détour. 12 assauts, ça commence à piquer, on va claquer une poche de frais des familles. Et là, ils se ramènent à beaucoup là. Ouais, là ils sont conséquents. Ils sont plutôt conséquents, ouais. Comme tu dis. Ah puis il y en a encore un gros là-bas là. Bon bah le cuirassé va falloir qu'il se sacrifie pour la cause je crois. Oh, j'ai même pas eu le temps de charger, il s'est fait instantanément buter ce connard. D'accord, alors il va nous falloir quelques renforts là par contre parce que... Ouais, et ce sera peut-être temps qu'il pop au lieu de popper comme la dernière fois au compte de J'avoue. Est-ce qu'on a encore quoi le truc où il pop pas ou... Je sais pas. J'ai quand même l'impression que soit il y a des scripts un peu bizarres, soit ils sont un peu buggés les missions. Ouais.
Mon vaisseau, du coup, il a plus de morale. C'est une petite tristesse. Ah, même en se désengageant, on n'a pas de renfort qui pop, donc ça va être compliqué. Attends, la dernière fois, on avait des renforts, on avait pas le. On avait pas la tarte, on avait les renforts. On s'en sortira jamais. C'est ça. Oh, wow, wow, c'est quoi ce truc qui passe là? Oh, calmez-vous. Pour la horde. De toute façon, j'étais mort. Ils m'envoyaient des vaisseaux et tout, donc. Oh, c'est chaud, hein. Ah oui, mais c'est, s'ils n'envoient pas de renfort, hein, ça peut pas faire grand chose. Bah ouais, c'est à dire que si nous, si eux ils en ont autant que ça et que nous on a rien, à un moment. Bien joué, un de moins déjà. Tu veux que je prenne l'un des vaisseaux peut-être en main? Si tu veux lequel? Je vais prendre le grillon. Je te laisse gérer le dévoreur, même si à mon avis les deux vont crever assez rapidement. Ouais, en plus on dirait que notre régénération de vie est buggée quoi. J'ai 628 PV et ils font 630, 628, 630, 628. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaisseaux. Ouais, c'est bien beaucoup. Ça va être un chouï attendu. Hein. Ça, tu commences à fatiguer, un coup on n'a pas internet, l'autre coup on n'a pas les renforts. Bon, bien, j'ai eu la peur, merde. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est s'avancer, faire tomber cette. Cette forteresse d'une manière ou d'une autre en la chargeant d'assaut et puis se barrer en fait. Reculer comme on peut quoi. Oui parce que là de toute façon je vais me faire défoncer, juste pas d'autres possibilités quoi. Clairement. Bah c'est une fois de plus la défaite, et bien ça commence bien. Bon, les conséquences en seront irrémédiables. Bah du coup. Bon. Du coup, on va arrêter l'épisode là, je pense. Hein. C'est mieux. Attendre que ça charge, vérifier qu'on est juste avant. Je sais pas si ça te jette quand je recharge comme ça, non? T'es toujours là? Ouais, toujours là. Ok, bon bah écoute, c'est un re-sauvegardé juste avant, donc bah écoute, on va arrêter l'épisode là du coup, on va bien la réussir cette mission, non, entre les bugs vont peut-être se détendre deux secondes. Et puis, un jour, on y arrivera. Ouais, un jour. On se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.